show du week-end, c'est votre programme qui passe chaque samedi, comme ça s'intitule, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous regarder à travers la ville de Lubumbashi, à Mujambo. J'espère très bien que vous avez passé une très belle semaine, malgré les difficultés que vous avez rencontrées. Mais finalement, on se retrouve ce week-end pour se déstresser, ce week-end pour partager de moments fun, pour partager encore plus de joie. C'est vrai, pour il y a certaines personnes d'entre nous qui se sont mariées devant l'officier de l'état civil, c'était hier. Et encore aujourd'hui, ça continue encore davantage. Merci à vous qui ne cessez de nous regarder à travers la ville de Lubumbashi. Une émission interactive, une émission qui vous permet de vous exprimer en toute liberté. Comme ça se passe habituellement, je ne serai pas seul sur ce plateau, chers téléspectateurs. Je serai accompagné par Naomi Chako. Avec elle, on va co-présenter cette émission. Mais attention, l'invité d'aujourd'hui. Je voudrais d'abord dire bonjour à Naomi Chako. Bonjour à toi. Bonjour Baraka. Bonjour également à nos milliers de téléspectateurs. Donc, Léoni Show du week-end. Je suis venu à la fois chez ma commune en Kouachana-Tchana. C'est comme on fait les shows du week-end. Stress, il y a quoi, Itaïch, hein? Mm-hmm. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Surtout, préparez aussi vos méga et aussi vos unités pour être en interaction avec nous. Tout ne m'y permettre, mon soumbourier n'a chié, mais on m'appelle vidéo. En tout cas, tout ne m'y souhaitez bienvenue. Faut jeter mon étouffoite. Merci donc à tous ceux qui nous regardent depuis les cités universitaires. Vous nous regardez dans vos bureaux, dans vos alimentations, dans vos magasins, à la maison à l'instant. Mon Fata Malaika Télévision n'empathie toujours les beautés de la télévision. Alors, aujourd'hui, nous recevons dans cette émission show du week-end, exceptionnellement, l'honorable Vital Sunzu, qui commémore déjà le 20 ans des carrières. Avec lui, on va co-présenter cette émission. Ça déchire. Honorable. Amujambo et Karibou dans cette émission. Jambo Karibou. Vous allez bien? Oui, très bien. Moi, je veux bien Moutaka, Moutaka. Toujours. Voilà, c'est cette ambiance qui va nous caractériser sur ce plateau, chers téléspectateurs. Et donc, prenez le temps de charger déjà vos mégas. Vous aurez des questions à poser à l'honorable Vital Sunzu, qui reste toujours dans la casquette des comédiens humoristes en même temps. Un élu de Lubumbashi qui, n'est-ce pas, est à votre service. Avec lui, on aura le temps de partager en tout cas. C'est de moments fun tout à mélanger. Kouachana, gauche, droite, qu'est-ce que les gens disent par rapport à carrière, n'est-ce pas, Sano Bichako? C'est ça, exactement. Mande Banedjulizaka, toujours. Est-ce que c'est toujours le même Vital Sunzu, le Touranzara, Kolen Apitaku, Radio Phoenix, les Amani? 12 heures pile à l'époque, en 2003-2004, Tourna Mouchunga. Il est sa blague et musique. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à ville? À chaque changer, le on a encore dit que moi, je blindé. Hein? Est-ce qu'on peut parler des questions de Julisa? C'est la même question aussi que les téléspectateurs se posent. Hein? Maintenant, on doit le savoir, c'est à lui-même de nous répondre. Ah, ça, on aura bien la choka, ta ma gomédie na choka. Ça, il na choka, il na chouka, ça, na mingi mingi, pour poster ma. Ouais, qui est aura... pour, qui est contre, qui s'abstient, mingi mingi, na quoi ville. On aura bien ça, ma manche qu'on a dit. Ah, on a vieilli. Vraiment. Quand on a choka, chez où il va la choka? Non, Vital Sunzu est le même. La politique est passagère, c'est un moment. Tu as un temps, il t'apita. Mais la comédie, c'est dans le sang. On ne devient pas comédien. Mais on est, on a des jours comédien, c'est dans le sang. Papa Nico, depuis que je suis passé honorable, j'ai encore des soirées de mariage, tu sais pas animer. J'étais dans une soirée, mais les messieurs qui animaient la soirée, vraiment. Il a oublié qu'on est africain. Il a commencé à dire des choses pas bien. Il y avait d'autres parents. Alors j'ai récupéré le micro, les gens ont aimé. C'est ça mon boulot. Nié, si tu as dit. C'est comme. Non, jamais. Il y a ça, on a mal, en tout cas, par Facebook. À sa vitale, par exemple, il est, je crois, encore honorable. À ta famille, quand je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, à Paris, quand je suis venu, je suis venu, je suis mais la preuve, mon émission Blague et Musique qui passe à la Radio Phoenix, j'ai continué à animer cette émission, non? Bande de la tchèque, Nani, à Molière, j'ai passe, non? Avec Vital Show. Donc, quand je suis à l'Ikasi, à Alpha Jiri, j'anime l'émission Blague et Musique qui est mon émission. Tu vois? Alors, on aura avant, évidemment, tout bébé chanson, Jérusalem, tout à l'heure, tu viens d'un côté à pays à Nelson Mandela.
On est chez Kama ou quoi, Kupaka. Il est comédien, il pousse ses quoi, on pas mouler dans la table en cause. Comédie Kupaka, mon dame. Mon cousin, mon cousin, confiné, il va bien qu'en Afrique du Sud, na Bibiaki. Tu as envie de sa Bibiaki. Il m'a dit tout confiné. Il m'a laissé 3 jours profiter aux échos, bien courir, faire une provision à mon nom. Bibi anglais, il y a eu la lente à faire provision. C'est un gars qui a chéri, il a besoin de cousin coup. Assurer un coup comme anglais, il n'y a pas de plateau et à Maya, il n'y a pas de madame, where is the mother of this? Ah oui! Je suis là, bon, en tout cas, les téléspectateurs vont vite comprendre que la comédie est là, donc elle existe dans toujours. C'est dans vraiment dans le sang. Moi, déjà, parce que dans ce monde, déjà, moi, je me sens en tout cas honorable. On est chungé quoi, Imani, ou sinon, Léo, mais tu vas pas qu'il n'y a pas de plateau. Donc, comédie quoi. De toute façon, il y a un comédien Bazaman et la nouvelle génération Abba Balokwedo. En tout cas, on doit beaucoup encadrer Abba Bakitoto. C'est très important. Parce que si tu remarques aujourd'hui, dans différentes chaînes de télévision, les blagues, c'est s'attaquer au pasteur, juger le pasteur et beaucoup d'insanité. On est africain, on doit faire très attention. Quand l'émission passe, les parents nous suivent. Il y a des gens, à présentement, là, il y a des parents qui suivent l'émission. Mais quand je remarque des petits comédiens, Baba Kitoto, comment ils lancent des blagues à la télé avec des insanités, je me dis, mais où est-ce qu'on a réaliser l'émission. Quand tu remarques qu'il y a des dérapages, ni des choses à Saoudi, à Chamonton, tu sais, mais en off, après, on a mon Rudisha, il est parti, mais l'insanité, ça passe. On est africain. Moi, je me demande pourquoi ne pas faire comme. Il n'y a pas de honte à imiter ce qui est bon chez les voisins. Ça, c'est vrai. Nous autres, regardez quand on balançait dans les temps. Tu balances une blague, bah, tu vas la checker, mais à moi, on m'a touché. On va revenir sur votre carrière tout à l'heure, chers téléspectateurs, et donc voilà l'ossature de cette émission. Donc, on va la co-présenter, le show du week-end. Passion Baraka, l'honorable Vital Souzo sur ce plateau et Naomi Chaco pour vous rendre ses plaisirs et le bonheur il y a week-end. Alors, pour bien commencer, chers téléspectateurs, voici qu'à ce jeu avec tout. Qu'est-ce que l'homme préfère chez une femme? Nikitukani, Mwanaume anapendaka, quoi, Mwanamuki. Voilà qu'à ce sujet, quand les Tukani vont intervenir. Et puis, peu après, on a posé question. Quoi, honorable Vital. On va y aller avec cette première chanson. Merci à Mike Shedin Tamwe. Merci Parfait Angelo. Merci à Peter Kitenge pour la réalisation de cette émission. Merci également à Cédric Banza. Merci infiniment encore toujours à Moïse Kabonde. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers la ville de Lubumbashi. Voici la première chanson qui nous permet d'entrer chez vous et de se sentir à l'aise. On se déstresse juste après ça. Salema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yami alikolana buso wami aukolana ilondoloze zuhambe nami dawu
Oyami, Aikolana, Musoami, Aukolana, Ilondolose, Zuhamena, Dao Oyami, Aikolana, Musoami, Aukolana, Ilondolose. Donc c'était là la chanson de Master King, Jérusalem, une très belle chanson qui nous a mis très d'accord sur les antennes de Malaika Télévision, show du week-end, votre programme qui vous accompagne, votre talk show, votre occasion de vous exprimer. On va souhaiter heureux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées en ces 5 septembre d'une certaine année. Mon année, ça va 5 ans, 30 ans, 45 ans. On va vous souhaiter bien de bonnes choses, Naomi Chaco. Exactement. À tous ceux-là, peut-être qu'aujourd'hui, qui célèbrent aussi leur fête de mariage. Donc, soyez toujours heureux. Heureux mariage à vous. Surtout que vous êtes en train d'embrasser une nouvelle vie, une vie conjugale. Une très belle journée à vous tous. C'était fini déjà avec le mariage du confinement. Mm-hmm. Maintenant, ça, c'est le mariage après confinement. Donc, soyez toujours heureux. Mambo et Amiaka, je me souviens bien à une période de mon vie. Vital, Mirum Fataka, honorable Vital et les périodes d'Arsemaka. Mambo et Amiaka. Bon, vous êtes là. Avec son autorisation. Voilà. Parce que non, j'étais vraiment fan de lui depuis très longtemps. Il faut que je le souligne. Je le suivais depuis très longtemps. J'étais encore petite, mais je le suivais à la radio Phoenix. Chique moi, lancez ma bande pour la bien, bien la foutique à Miaka et à Boudjan. Lancez ma. Ah, Miaka, tu n'as pas de salaire. Honorable, c'est quand même très important aujourd'hui, 20 ans de carrière, ça doit vraiment franchement se fêter. Mm-hmm. Alors les travaux que vous avez abattus pendant plusieurs années à la radio, tout comme à la télévision, des conseils parfois, ce sont de fortes de français, mon anzakoui corrigé, pour permettre que le beau langage puisse rester, mon population. On vous suit et on vous regarde, en même temps élite du peuple, ça n'a pas été facile pour vous. Oui. Vous savez, notre Dieu est juste. Notre Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Il peut te surprendre comme ça. Mm-hmm. Et notre Dieu nous prépare toujours. Mm-hmm. Vous savez, ce que je peux dire à mes téléspectateurs, à mes téléspectatrices, quand vous vous réveillez chaque matin, vous devez avoir un objectif et qu'on commence à vous bénir vous-même. Mm-hmm. Dans le temps, du coup, à Kitoumaï, là, j'ai dit à mes amis, commencez à m'appeler autorité. Mm-hmm. Il y avait marche, je suis monté quelque part. J'ai dit, autorité, oh, oh, autorité, oh, aujourd'hui, nous allons marcher. Et c'est parti, les gens ont commencé à m'appeler autorité. Mm-hmm. Bon, j'ai fait les métissages, je dis à ma maman, mais il n'y a pas de quand même partout. Mm-hmm. Merci. On a eu Maïcha, il n'a pas de chakouria bisouri. Même au bout d'une fois,
C'est ça. Je vous dis, les pouvoirs de la parole. La parole crée. Tout a été créé par la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu lui-même était la parole. Maman, on a pas tout le temps qu'on a. Moi, j'étais petit, ma maman m'appelait patron. Je vous dis la vérité. Et elle m'appelait patron. Et à un certain moment, j'étais en première CO. J'ai commencé à demander à mes frères et sœurs de chanter pour moi. Qui est-elle? Ah non, non, là, elle chantait comment? Tout à voté, Nani, Moukouvoa. Tout à voté, Nani, Moukouvoa. Ava Benguine, Apana, Juyanini, Avana Namakuta. Mes grands frères, les autres, là, c'est fâché. Tout le monde, hein? C'est ça. Non, au début déjà, au moins, ou quoi, on a les convictions. Imaginez-vous, une fois qu'il tout on était en classe, mes frères, mes amis, Minta Waka chef. Mais voilà, je vais accompagner, on a une liste va signer. André Kabole de l'autre côté. J'ai la liste même, mais n'en dis pas tant. Mon Kamali Yangoukou chantier, j'ai la liste, j'ai vu les signatures de mes amis. Tu vois, des choses comme ça, pour dire dans la vie, courage, la détermination, l'équipe qui amène. Et tout ce que nous faisons, associons seulement Dieu et marchons dans la crainte de l'éternel. N'a pas d'unia, n'a pas ce qu'on a objectif. Pas d'unia, pas d'un chouchou chamicono. La vie, c'est un combat, l'homme doit se battre. Pas d'unia, pas ce qu'on combat dans la maïcha. C'est pas facile, il faut se battre. Moi, je dirais à mes petits-fils, ce n'était pas facile, mais j'ai réussi au nom de Jésus. Ah oui, ça, en tout cas, on doit les dire, l'attitude à votre carrière. Mais Dieu est bon. Moi, en tout cas, ce que je suis aujourd'hui, je bénis l'éternel. On doit chamoulika si mon 24 pensons. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands et il leur donne un partage, un trône de gloire. Car à l'éternel sont les colonnes de la terre. Voilà. C'est Dieu qui élève. Vous avez suivi un bon conseil de l'honorable Vital Sozo à la Sémani, c'est Dieu qui élève. Et donc il faut travailler. Arrêtez-soi. En tout cas, Phoenix, dans Mangaza, dans Pache Fulani. Ah, pour Phoenix, c'est en tout cas. Même Léo. Non, au passage. Ah, non, non, du coup, Phoenix, nous on animait comme Mangaza, nous on animait comme Wantashi, après on animait comme Molière, nous on animait comme Alpagir Koulikasi. C'est comme ça. Ok. Donc, on a un libre. Collaborateur extérieur. Oui, un jour, on a un choutoukou. Je fais les freelance, je me vends. Un jour, on a un choutoukou. Mais Rob, il faut dire quand même que ma chèche a changé, c'est vrai. Avant et après. Oui. Non, je suis mon goût. La table est vue ou quoi? Je suis mais la lombe avant de faire une photo. Dans 5 ans, 3 ans, pas de ça. C'est ça, Dieu. Je suis mon goût. Je suis mon goût. Je suis mon goût. Je suis je n'ai pas or, n'a argent, je n'ai pas mon. C'est ça. Comme ça, c'est chiant, mon ami, voilà, je suis tout en train de voilà. Donc, ça. Mais mon, on a ça, mon, comme ça, mon, comme ça, mon, tu n'as pas changé, comme un écho, mon, tagatif. Alors, je n'en ai pas très béni. Mais mon, tu ce que moi, minute, on a ta députée. Bantu. Ah, comment mon goût, elle a déjà pris sa bande. Arasima, mais la femme n'a pas dit qu'il faut faire un mot de ma côté. Ah, je sais qu'il y a un bon, il y a bien ça, il y a tout Zaman, Mystère, il y a pas Zungu, il y a pas Zungu. Barasa, qui le haut à l'ombre, oui, qui a comme moi, comme quoi, tu n'as pas dit qu'il faut faire. Barasa, il y a pas Zungu, il y a ça, il y a l'homme, ma paquebot, deux, donc, comme Congo, Ngapi, quatre. On a l'homme, il y a l'homme, ma gratte, trois, comme Congo, Ngapi. 6. Bana shibanaisha na bazungu. Bana njara ku start ya beusho wa kwanza basa wala lomba nini? Asa sekini lombi ma amer ngiri ya patikana. 4. Ndana safari mimi ni tobole richori momu ni katena na. Sekini wa kumkomo batobole biri katena mikono. Ai pika lomba. Lomba ina busa tunapendana. Tuko sa banka na le crab. Ona banka na kama ni biga mkitunga munini mupanye. Après 20 ans, vous avez dit que vous avez parce que quand vous avez un panda, vous avez un panda, vous avez un panda. C'est ça. En tout cas, cette histoire doit beaucoup plus interpeller les téléspectateurs qui nous suivent. Moi, je suis peut-être vous complexer, croyant que peut-être vie situation à quoi nous. Non, ça, Achi Toutaï, je ne sais pas. Non, il faut toujours avoir la foi, l'espérance. Pombana, quelle histoire de l'honorable. Tu n'as pas de panda, comme un panda. Je pense que je vais me combattre, je vais me citer. C'est ça. Tu vas pas avoir. Toi, tu vois que je dis où? Moi, je suis au golf. Golf calme. Parce que golf,
Golf le monde en 1974 achita sima kwa kama golf papa na kiake golf le kwa zamani ni ile ma golf ya kwanza pale panini pa plage eh panini pa karafia ni ma golf ile mulkwaka ba mule mo ile mo avenue mu president Moïse suko na na njoi ma golf ile pale kwa kaka i golf yote kwa ni pori suko Kabula meshi le china kwa ni hapa sasa. C'est que ça signifie que ni bande ou toka musite, na ina kwa mune ngambo. Oui. Faut pas la fierté mo le ngambo. Parce que papa wako zamani kama ulikalaga mgolo ile ta, alikuwa ni boy, anataka kutumika ni kubazuri. Parce que bale bale kwa mgolo zamani c'était des bourgeois ba umba chapita la. Bale man tushuku nona, ilikuwa ni mandi pa bazungu bale ba bourgeois. Mais hapana tu hivi, tu kuna ulizana na wewe, kalaga kama ni musite, mimi nasema, oh bila shida ya kama mgolo, golf pratique. Invité ichika maisha. Voilà. Donc invite ni kuichika. Voilà, c'est très important. Il faut kuchika maisha, kuchika état dans lequel vous êtes, s'il vous plaît. Par exemple, moi, je suis issu de la Kenya, voilà, vers le centre-ville. Donc, voilà. Mais on aurait bien kuchika, c'est mon nom, Kenya. Ah oui, kuchika, c'est mon nom. Ah oui, c'est mon nom. Non, mais tu m'as corrigé tous les jours. Parce que ça, mon Kenya, ça n'a pas. Voilà. Ah oui, ça c'est vrai. Et mes amis, quand ils vous parlent, vous sentez, ils vous parlent un bon français. Mais sauf que, quand même, parfois, je m'en vis, je m'en vis, je C'était pour blaguer, chers téléspectateurs. Alors, tout à l'heure, on va voir ce qui se passe tout au long de cette semaine sur les nets, évidemment. Et par après, on va prendre les appels pour... intervenir dans cette émission. Mouta Twitter, chers téléspectateurs, d'habitude, lorsque vous nous appelez, gardez votre téléphone en face de vous. Ça signifie mon Twitter, mon chouchou volume, il y a que télévision. De sorte que, kouchoukoué, interférence, ma problème, il y a que ma écoute. Là, on a ces mangou, vous l'avez présenté, dans l'état ni position par rapport à ce sujet. Le mitou, quand on appelle Nakwa, quoi, mon amouki. Naomi Chako, avec toi, on va refaire la semaine. C'est qu'aura été la semaine en ligne, évidemment. Il y a eu Manix Chipuko, on l'appelle toujours comme ça dans les chansons de Ferregola, qui s'était marié à la fille de Feu, Marie Misamou. Voilà. On va revenir sur ça. En même temps, on va apprendre la chanson aussi des Rebo qui a sorti Mbote. Voilà dans les actualités. Voilà. À vous l'honneur. Exactement. D'abord, il y a un élément qu'on a pu élaborer pour nous, si on peut nous balancer ça. Et puis, on va se retrouver juste après pour continuer avec Honorable Vital Sons, déjà sur notre plateau du show de week-end. Boss Eric Mandala. Voilà, chers téléspectateurs, voilà, c'était là la marionnette, évidemment, on a moutiégé, chana, tchézana, 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 kupita, honorable, vital. Elle a tchézana, danse, il est malade, ça, c'est la mère de la ville. Ah, pas mère de la ville, ou est-ce bien, Azamani? Ah, ouais, toi, ça, c'est un tchakou, l'oubab. Non, Voilà, on salue quand même l'autorité, hein, voilà. Ça, chef Wangu, plateau.
Vamos les andar para bala. Non, ça c'est bien. Soyez à la comédie. Mais je pique. Voilà, chers téléspectateurs, on va tout à l'heure, avant qu'on y revienne dans notre rubrique, évidemment, le net, ce qui brille sur la toile, on va essayer de s'intéresser à vous, chers téléspectateurs. Le numéro est au bas de l'écran. Vous allez nous appeler, vous allez nous décrire comment ça se passe chez vous à la maison. Nous avons l'autorité Vital Sunzu, sous sa casquette, évidemment, de l'artiste et comédien. En même temps, certaines questions d'actualité qu'on aura à évoquer, oui, intervention et tout. C'est mais ça, quand même, quelque part, Mambo insécurité, Mambo enfant de la rue, quand même, c'est très important parce que lui s'est investi quand même dans cette lignée, dans cette logique pour pouvoir, n'est-ce pas, éliminer Mabutu Biakwachana Benapitikana. Donc voilà le numéro au bas de l'écran, il est là, il est déjà affiché. Appelez-nous, présentez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui attire un homme chez une femme? C'est très important. Nikini, Nikile, qui n'a attiré. On a tiré. Après, Bon voilà, chers téléspectateurs, donc Mouma Langyot, s'il vous plaît, sentez-vous très à l'aise. Swahili, français, anglais, biote tuna changa omu émission et toutes les questions y a comment apporter bonheur. Moi, tu à côté à Tabakongo, moi, tu à côté à Luowushi, moi, tu à côté à Kasumbalesa, Likasi, Kipushi. Nous sommes là sur les antennes de Malaika Télévision pour arroser votre week-end. Le show du week-end, c'est votre programme, c'est notre programme. Et ça va toujours, n'est-ce pas, Sanaomi? Exactement, Baraka, ça va toujours. À toutes ces personnes-là qui nous suivent aussi, il y a quand même une information qui circule sur le net. Je ne peux pas quand même manquer d'en parler. C'est l'histoire de Ruth Missam, comme tu l'avais bien annoncé, la fille de feu Marie Missam. Donc, elle était artiste, musicienne de Kinshasa, donc de la République démocratique du Congo. Vous allez bien le savoir qu'on a prédoté pour elle. Donc, en lingala, on dit Kangalupangu. Ça s'est passé en Angleterre. C'est là qu'elle habite, c'est là qu'elle vit. Et maintenant, bizarrement, ça, cette histoire, donc Aina, bienvenue pour la plupart, il y a Congolais, il y a diaspora, Congolais de Kinshasa, donc les Congolais donc du monde entier, à Banadakor, on a eu l'histoire, il y a Ruth Missam, du fait que les messieurs qui l'a prédoté, donc Bakangeli et Lopango, ces messieurs s'est remarié, donc ça c'est pour la troisième fois. La troisième fois, évidemment. Voilà. L'année passée, il s'est encore marié, il s'est remarié l'année passée, c'était la deuxième femme, c'est une Ghanéenne, donc Ruth Missam, c'est une troisième femme, si je peux le dire. Avec la première fois, la première femme, Manix, a eu trois enfants. Et bizarrement, avec la deuxième femme, ils ont eu deux enfants. Mais ce qui n'a pas enchanté la plupart des Congolais, il faut voir comment ça se dit sur le net, sur la toile. Maintenant, je suis comme ma femme en direct. Comment se fait-il qu'une petite fille qui n'a que 26 ans peut aller accepter d'être une troisième femme pendant qu'elle a encore de la chance de se marier, de se trouver quelqu'un de son âge. Elle a encore de l'énergie. Bon, vous direz marier encore de nouveau, on a dit marier comment? Madame Chapeau a déjà. Bon, c'est ça aussi, c'est ce qu'elle dit aussi. Et c'est comme un inconvénient, on aurait dit qu'il y a collé ou pas, troisième, deuxième. Oui. En tout cas, tous les Congolais ne sont pas d'accord. Si ta maman était vivante, Ruth Missam, elle n'allait jamais être d'accord avec cette histoire ici. Du fait que. Voilà. Bon, avant que chanson. Avant, évidemment, que ma vidéo va te prêter, tu y es né chez, ou ma téléspectateur, on aura tout checké quand même. Ça n'empêche pas tout checké quand même. Non, non, tout checké pas. Quand tu as un problème, ni mambo ya mkubwa moi qui toi. Qui toi, en attendant que ma mère en coulou. Nansenga alikuwa kukaa huko. Njoo bashakikana. Hapa na hapa njoo kitu anaenda kumfuata bo frere wake. Aof. Ni kuuliza yeye kwa tulianza kubishana na Nansenga. Brice Lee, Madame Pilei, Bob Marley, ni watoto watatu Lee. Shiki. Ile ma terminaison les bébés tout. Allez Chang. Il y a une blague, il y a une maman qui m'a demandé une ancienne blague à moi. C'est une blague que j'avais lancée il y a longtemps. Papa Moya.
bibia kana zala mapasa rafiki yake ya bibi alikuwa kumleta chona zamani kama mtu anazala ni bukali na nkuku na mtanda wa bukali me hapa sasa mimi njoni njoba tobalitaki zamani ukizali wenu ile mienji ni bankuku ba kila model pourquoi binaishi na pasha binarudi basi binaishisha nini nini my glizi na pita ule yua kuku ule bali ni tak ile ni kwa ndani kuku maini ilikuwa ni ambuji bali chomoka hapo donc ma prophétie ina la bisha vitu ya bibi zamani tunaanza kulia kwa bankuku kama bibi anazala hapo sasa nikalaki hotel alors ule baba Biliaka na zala mapasa mwenjaka na kwa kuleta angalia mutanda wakari. Angalia mkuku yele kuisha kuipika. Ule biliaka ya kwa shakonda kukipimo. Chose kumbi vila nenda kukipumo mina cha mansani. Takwa kubeba ta kesho. Bandu kumushike mamu. Kulibakia baba na sana pletushi minjo baba wa mtoto. Wa batoto. Oke. Okay. Ubu kati ni une kukulia bote na nyama na fungula bibakuli. Arufu ya mzuri. Ase manje vila sawa. Ubi vila kwa sanaka na bibi yangu. Shikona kuku weka mo kwa zofa ah. Mimi pati ya nyama nkuku na bukari nitupie imbo kama imbo shikufu mina kuri ale tupie ya imbo 30 minute imbo shikufu 45 ka mna kinda kumbasa na mba bukari sunana kuwa mtu mengine kama nakata ntongi na machoshi na mwangu baba ule ni mwenye kuri ya ule bukari na mboka piyote minaisha njua na jiba anakunwa na mai asha kwekala musalo yuko na mwishika yuko na ngara novelas ashike paka pale inje papa Imbwa nakufu. Papa sasa mimi nakufu. Bio msali bebe. Ingisha mikono. Papa natosha yote. Anakuna mafuta kikonjo chuo natoka nje anamtia mtoto. Imbwa nakufu kwa pesa hiyo ile kule mwanamkonga kumotoka baba. Merci à tous les téléspectateurs qui donc souriez ou parlez. En tout cas Naomi Chaco, on va passer maintenant phare à phare à un téléspectateur, comme ça se passe habituellement. Honorable Vital, vous comprenez? Ah, mais je suis en train de faire une émission à téléphone ouvert. Je suis en train de faire une émission parce que je suis en train de faire une émission. 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 Je suis en Ah, je suis là, je suis là. Nous avons comme invité honorable, l'honorable Vital Sunzo. Et quoi pas déjà, nous avons dit à ma question. Nini de mon afouraïaka kouake, ma comédie, quand nous sommes afouraïaka, nini la mpendake kouake, nani de mon apenda. Donc ma question, tout yaming en général, appelez-nous. Donc le moment est vraiment arrivé pour que vous puissiez nous appeler. Alors, les sujets restent le même. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce que, évidemment, l'homme préfère chez une femme? Ni kintouka ni mon afouraïaka, comme on a mouki, comme on a mouna, en tant que mon homme. Mon Asim, hein, cher téléspectateur, en toute responsabilité, ton Acheka, en même temps, question, voilà. Mon adresse honorable. Elle appelle Arine déjà. On va prendre cet appel. Bonjour à vous. Bonjour. On vous appelle comment? Monsieur, vous allez bien? Oui, oui, tout va bien. Je ne sais pas vous. Monsieur Pierrot. Chifo, on a ma vie, téléphone, on bien comme ça, ton Acheka. Où que fâche Kani? Chez moi à la maison. Ah, chez toi à la maison. On a cru que c'était l'honorable Asima ou ça à côté, elle est pas là. Hein? Oui. Ashka Boka. J'aime beaucoup honorable, c'est quelqu'un de social. Merci. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous attire chez une femme? Bon, en fait, ce qui nous attire chez une femme, et beaucoup plus ton comportement. Le comportement. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire comportement et Adjé, voilà, pour aider un peu ceux-là qui nous regardent. Pierrot. Si. Oh là là. Il est en train encore d'essayer. Pierrot, est-ce que tu peux rester immobile, hein, s'il te plaît tête dehors, voilà. Il y a de beaux endroits. Et donc, lui, ce qu'il attire chez les femmes, c'est le comportement. Hein. Voilà. Il est là. Voilà. Hein. Pierrot, tu vois, je suis capable, ça sympa. Question. Oui, le problème, c'est le comportement que
que moi j'aime chez une femme, sa manière d'être, surtout le respect envers les hommes. Ok, ça c'est bien. Alors, on a une question qu'on adressait quoi, Vital Sunzu, honorable. Bon, j'ai pas une question vraiment parce que tout ce qu'il fait c'est bon. C'est ça. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci. Mais le week-end ça va de votre côté, hein? Oui, ça va de votre côté ici. Merci infiniment pour cet appel, Monsieur Pierrot, depuis quelque part. Merci de nous faire confiance en nous appelant. Donc, le standard reste le même. Vous nous appelez, vous réagissez d'abord en rapport avec le sujet et tout. Mon assez mesé, qui est une amiatira comme mon amouké. Kisha, par après, mon pita pour question, vous adressez comme honorable Vital Sunzu qui commémore aussi ses 20 ans. Évidemment, ce sera déjà pour demain, au moins pour rendre hommage à Mukajiake, comme ça se passe. Bonjour à vous, on vous appelle comment? Hey, bonjour. Bon, dans la première étape, je reste au niveau de la géographie. Est-ce que les autres sont au volume, il y a télévision? Volume, ça va rien à chouchou. Nini, qu'est-ce qui attire un homme chez une femme? Bon, normalement, le bonheur, c'est que la vie fait un homme aussi. Tout le monde, ça va vivre. Hein? Il y a mis Bapé. Ah, moi, je m'en respecte, quoi. Le respect, ça va pas ma place. C'est tout? C'est tout comme réponse. Pardon? Je dis, Joyo, t'es sa réponse. Et Zagnos, son réponse au PC Bissot. Pardon, peut-être. Nalobibo, Ozan Namutuna, nous avons l'invité, l'honorable Vital Sunzu, à l'instant. Tu as une question à lui poser, s'il te plaît. Bon, et l'autre question à poser, ça te passe, il n'a fait pas la rana et m'a pas si. Merci beaucoup. Tout à la que pendant mon émission, ma comédie, vraiment. Et puis elle aime tout ça là que non, insécurité à l'état de Lubumbashi, vraiment, la lingage est marquée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci infiniment pour cet appel. Allez, donc appelez-nous. Vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas de les poser auprès de l'honorable que nous avons comme l'invité. N'est-ce pas ça, Nomi Chakoba? Exactement, appelez-nous, surtout les hommes, mais la question est venue. Oui, aussi, c'est un homme. Ouais, ouais. C'est ça. Non, la pinda pas comportement. Mais là, mais vous êtes en train de nous mentir. Là, ils sont en train de. Vous voilà, êtes en train de nous mentir. Moi, je suis clair. Oui. La pinda comme mon amour, que mon aîné. Mouzouri. Voilà. C'est ce genre de réponse que nous avons besoin. La première fois qu'on se voit, c'est ça. Je vois les comportements. Exactement. Là, vous nous montez, chers téléspectateurs, dites-nous. Mon aîné. Bon. Même t'as dit. Non, ma gueule n'a rien. Voilà. Voilà. Les comportements, on les voit quand il y a après. Il y a le même jour, chers téléspectateurs. Il est même en Etoulanda. Il est même en Etoulanda. Je crois qu'on a partagé. Qu'est-ce qui attire un homme chez une femme? Appelez-nous, chers téléspectateurs, donc comme vous tenez chez Touaji. C'est ce qui t'attire déjà en face on a tchouf. Après, on a eu un comportement. Le premier jour, où tu as eu un comportement, ya fille, ce qui vous attire beaucoup plus chez les filles, chez les femmes, c'est quoi? Qui est qui tout qui est? Voilà, on va prendre cet appel. Allô, bonjour à vous. On vous appelle comment? Bonjour, on m'appelle Chris Kamala, à partir de la commune de Kamal 2. Oh, Chris, comment ça se passe à Kamal City? Vraiment. Je salue aussi honorable. Hein? Merci. Je voulais juste intervenir à propos de notre sujet. Allez-y. Et savoir qu'est-ce qui attire beaucoup plus chez la dame ou chez la fille. Premièrement, je respecte d'abord les filles, hein, parce que ma question, premièrement, c'est qui nous attire, bon, en tant que jeune garçon, voilà, c'est qui nous attire, premièrement,
c'est le comportement si nous vivons avec la fille. Ah, d'accord, le comportement. Ah, la morphologie. Le comportement. Et puis, une fois, on voyait une fille en cours de route comme ça, vraiment, ce qui nous attire d'abord, c'est du visage. Et puis, bon, la beauté, voilà. Et puis. Et puis, Rémi, comme. La formation physique. Ok. Bon, je n'ai pas ma bon, voilà. Oh là là, il est parti malheureusement. Il fallait qu'il pose quand même quelques en questions. Tout cas, Laura, quand nous appelle vraiment. En tout cas. Mais c'est honorable comme oui, on a fait chocouza. Mon amour, qui c'est qui est très sûr. Ah, on est un peu mal à l'aise. Ouais. Pas de problème. On a tapé. La fille n'a pas joué à faire les éloges. Ouais, ouais. On a tapé en tout cas. Ouais, on a tapé à s'engager au petit couche pour sourire. On a besoin de s'engager au bout de l'eau. Merci. À sa mouille, après ma miaque. On cherche à se prendre ta couronne. Honorable, une question avant qu'on ne prenne ma appel en Guinée. Pendant ces 20 ans de carrière, c'est vrai. Ni sakani lesa ni wakatikani carrière iri toka logiquement ni lesa on a basculé vers la télévision ni manekani non quand j'ai commencé à la radio quand j'ai commencé à la radio je vous dis la radio Phoenix c'était l'église au milieu du village parce qu'il y avait pas beaucoup de radios dans les temps il y avait la RTNC Zénith après c'était la radio Phoenix. Permettez qu'on prenne cet appel. Ok, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, chez vous. On vous appelle comment? Je m'appelle Michael. Michael, on te tient Fashkani. Pardon? On te tient Fashkani. Je suis au quartier 5. Quartier 5. Mike, on a ses magie. Qu'est-ce qui t'attire, quoi, mon amour? Bon, selon moi, ce qui nous attire chez la femme, je peux dire son aspect physique. Quoi? Son aspect physique. L'aspect physique. Ah, waouh! Wow. Et c'est ce qui t'attire à l'épouser alors? Ouais, c'est ce qui m'attire beaucoup plus chez elle. Alors, est-ce que vous avez une question à adresser à l'honorable Vital Sozo? Bon, en fait, j'ai pas une question, sauf que je l'aime beaucoup trop. Merci beaucoup, mon frère. Donc, Mike, on a toi attendre la critique alors? Non, non, j'ai pas. On ne peut pas se poser une question qu'on aura. Non, je voulais juste le dire qu'il est bon dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci. Alors, merci infiniment pour votre réaction, pour votre appel. Je voulais juste... Allez-y. Je voulais juste parler. Vital Sozo, lui, c'est un pro. Merci. Écoute, Merci beaucoup. Merci pour les encouragements adressés à l'honorable Vital. Voilà, on va compléter notre sujet. Qu'est-ce qui attire un homme chez une femme pour l'épouser? Pour le pousser à l'épouser, voilà. Qu'est-ce qui attire? Donc, il y a un fara qui est mon ami qui n'a pas attiré. Un jour, il pousser ou comme mon ami qui est. Ni, il est kintu, il est voilà. Honorable, ni qui m'a attiré, mais le verre. Non, ça vous a attiré et puis ça vous a poussé à l'épouser. Voilà. Après ma bonne manière, on a toujours. Puis, je suis en train de ma réaction est là. Je suis en train de me faire une fille. Je suis en train de me faire une fille. Je suis deux ans. Je n'ai pas capable de me faire une histoire. Je suis en train de me faire une fille. Je suis en train de me faire une chambre. Je suis en train de me faire une fille. Je suis en train de me faire une fille. Je suis en train de me faire une fille. On a changé par là. On a dit ça. Ah, mais carabine, hôtel, tu n'as pas qu'à l'habitat d'Abiyavie, n'est pas à côté. Ah, oui, il va se couper en Kulenjo, sous le nom de ça, comme nous sommes dans ma tombe. Donc, on a dit ta histoire, on a ça. Ah, après mon bébé, quand elle est d'accord, maman était moukou, il y a eu le nini et mon django. Maman tient mon jambe, elle est pika bibi qui m'a piqué. Ah, à tout le fil en fin de l'année. Ah, mon gars, je dis. Ah, mais mon tonton a jamais. Ah, non, maman, tout en canaille. Oh, non, mouillou, à qui les coups. Alors, tu avais un pain. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Vous êtes en direct.
Bonjour. On vous appelle comment? Matutia Fashkani. Allô? Oui, allô. Bonjour, Matutia Fashkani. Bernard Palombo, Alors, Nassé Madje, qu'est-ce qui attire un homme chez une femme pour le pousser à l'épouser? Bon, pour être très clair, ce qui m'attire chez une femme, c'est son apparence, sa forme physique. Que dans un premier temps, voilà, je ne connais pas directement son comportement, ce sera son aspect physique. Donc, voilà, est-ce qu'on peut, on peut bien voir ton beau visage, hein? On a tout manqué dans les visages. On est surtout bien visage à côté, on est bien. Voilà. C'est bon? À part l'angari à côté, Ramani, gauche, Yako. Kanoku droite. Vous dites? Ah, maintenant, c'est moi, toi, angari à ça. Oh là là. Vous avez une question à poser à l'honorable? C'est qui? C'est vrai, M. Vital, c'est un bon monsieur, il fait très bien son boulot. Merci beaucoup. Pour lui, nous allons nous barrer, finalement, on va continuer par. On a pour me protéger. Amen. Voilà, merci infiniment. Et pour lui qu'un jour, quoi, ta présidente de la République? Par exemple. Voilà, merci infiniment. Mais ça fait du bien. Hein, tu n'as pas dans ta question jusque-là, voilà. Finalement. Pas m'encouragement. Non, parce que c'est moi, que s'aimait bien. Non, non, dans la société, c'est qui est vrai, je me comporte très bien. Okay. Hein, je ne prends pas la bière. Comme tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as. Non. Je me force un peu. Il y a un peu de tout pour l'eau, quand tu as fait ça, ça, tu as fait un café, un quinoa, et ça s'arrête là, mais je connais qu'un pomme. Okay. Il est ma vie, ma débauche exagérée, bien, mais on a qu'à. En tout cas, ça j'évite. Je suis un homme, je peux déranger les filles, ça arrive, je dérange. Mais il est ma vie, Léa. Parfois, je suis en train de compagnie mon ami qui a dit mais on est en train de faire un mot. On passe cet appel. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour, Malaika TV. Bonjour. On vous appelle comment, Matutia Fashikani? Il y a Denis, j'appelle depuis. Alors, qu'est-ce qui attire un homme chez une femme qui peut le pousser à l'épouser? Bon, personnellement, je vais parler de moi-même parce que, comme vous voyez, je suis gravement marié. Ah. Et je me suis marié récemment. Ok. Mais l'exagération, on te fait bien et tout. Il est gravement marié. Gravement marié. Allez-y. En fait, ce qui m'a attiré personnellement, c'est d'abord sa beauté, parce que je ne la connaissais pas avant, j'ai vu, je l'ai apprécié. Son fils. Elle est tellement belle plus qu'un ange, alors je n'allais pas vraiment me retenir. Et après cette beauté physique, maintenant, on voit son caractère, disons. Donc, c'est surtout l'intelligence de la femme. La capacité de comprendre certaines choses de la vie, cette capacité de s'adapter aussi à certaines situations, bonnes ou mauvaises, elle te soutient et elle fait que le meilleur pour toi. Et surtout, le fait d'adhérer à ta vision, tu la montres la vision que tu as pour la vie, comment toi tu vois ta vie à toi, et elle adhère à ça. Et elle arrive à marier ses parents, vous formez vos projets ensemble. Et au-delà de tout ça, il faut aussi qu'elle soit respectueuse envers soi-même. Vis-à-vis de moi, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis. Ah, vous avez si bien parlé. Oui. Oh là là, il est parti. Hein. Oh là, une très belle intervention en tout cas. Voilà. Il a bien réfléchi. Oui. Tu vois, quand on va toi, Rapita, je ne suis pas parfait, j'ai mes défauts et mes qualités, mais dans la vie, il n'y a pas besoin de chimie à mon tout. On en a chiqué une bague et tawak. Attends, ma y a une toilette. Il t'a aussi dit que j'ai ma moto. Respectez tout le monde, ça ne nous coûte rien. Moi, je suis calé que le monde a été ma justice là-bas. Jamais au monde, je ne vais pas faire ma moto. Je vais éviter ça. Ça, j'évite. Parce que, bon, à un certain moment, on a son nom Vital Souzou, on a président Moïse Katumbi Tchapoué, qu'on a Ouyou, on a Hôtel. Il était tellement très influent, il pouvait faire bon lui semble. Tu me connais. On ne pouvait pas vraiment les prêcher. Ah,
Miche, au yashkiaka kwa tasema nono, alifika kwa fasha na fanyi mafoli ya aa. Non, ça c'est pour les... En tout cas, moi j'ai ma façon de vivre. Vite, bien, tchamboulana, peut-être pour ma émission, moi j'ai tchamboula avant tout le monde. Je ne le fais pas. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. On vous appelle comment? Oui, moi c'est Gas depuis la Réunion. Alors, dites-nous, comment vous réagissez à la notre question d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui attire un homme chez une femme pour le pousser à l'épouser? Je suis sans cavolime. Hein? Moi, oui, ce qui m'attire chez la femme, d'abord c'est les tâches. Et après, la façon dont sa vie est, la façon dont sa vie. Mon ami, est-ce que tu pourras nous aider à que ce soit au volume et à la télévision? Oui, oui. Ah, vas-y, parle maintenant. Oui, j'ai dit la façon dont elle porte les habits. La façon dont elle porte les habits. Les habits très mal. Là, je n'apprécie pas. Alors. Et après, la... Vas-y. La manière d'être. Et de se comporter de plaisir. Ah, ok. Alors, dites-nous, une question qu'on a adressée à l'honorable Vital Souzou. Non, je lui dis sincèrement merci. Merci. Bon travail à lui. Pourquoi merci? Il fait mon travail, il fait du bon boulot. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu te rappelles de lui, Mouma Comédia qui a eu? Vous dites Nikin Tukana Kumbuka, Mouma Comédia qui. Ce qu'il vient de dire, vraiment, ça me plaît vraiment. D'accord, merci infiniment pour votre appel. Utalamke wa ntubo tebe au Mkenya. Tonaba penda sana. Merci, bonne journée à Naomi Chako. Merci. Voilà. Vous le disiez que c'est quand même très important du comporter aux sociétés. Mais chimie à tout bas ntubo te sante coûte rien. Absolument. Tant on influence Kani, il faut baquer mon carrière. Voilà, voilà. Je suis un peu plus de temps. Toujours des problèmes. Je vais vous montrer.
Banya à la toka kukabachi, anenda kubichi, nabiche pale, na muto tama chiseme. Après des zombies, je vis de ça, mungwa muto. Zambi ni hile minasema. Anenda kubichi. Bari luki ole dada na jenu. Oh, ba dada mkweta kuanguka. Milongo inapika pa, pa mbaula, milongo inakachika. Kule wanambeba kwenda na hospital, kufika kule hospital, doktera alikuwa akulewa. Jo wanachona mulongo ya chini, wanachona yulu, ya yulu wanachona chini. Shibana shanje, mwasha mwekaka sparadra, mbego na mwekaka paka da. Sasa pale, milongo inakauka. Shuko wakutosha sparadra. Kama na mwemukia, mama kia Elizama, Donc, tu la prononsaka bien parce que, mwana yasa, milongo na tusaidiaka na kuprononse bien. Il y a ma consonne de manita, ma labiale, ma P, ma B. Il n'y a pas comme Milomo. Il y a ma dentale, il n'y a pas comme Meno. Il y a ma palatale, il y a ma nasale, il n'y a pas comme Nien. Il y a un monde comme un catampou. De toute façon, c'est un jour. Eu sou muito bom, vai ser muito chamel. Mas não, Est-ce qu'on peut applaudir fortement vous à la maison, hein, chers téléspectateurs? Voilà la beauté, hein. La beauté de la télévision, c'est Malaika. Bon, voilà. Donc, on a tout le monde, chers téléspectateurs. Bantu, balé dans la fin, télévision a bien boap. Donc, il faut encourager l'autorité. L'autorité plutôt Vital Souz, qui a fait 20 ans de carrière. C'est très important, chers téléspectateurs. J'ai commencé le 3 septembre 2000. Aujourd'hui, le tour de Diana, il est sur quoi? Le 3 septembre 2020. Donc, 20 ans au chaîne Moye. Même aujourd'hui, je continue à animer l'émission à la Radio Phoenix. Recteur, ça va pas le bout de quoi Zaman, Bacha Kouindak. Tu es l'unique qui est resté. Tu vas m'engager pour l'université à Lubumbashi. Je suis un agent de l'université. Oh. Ma bénédiction, bénédiction. Ouais, c'est ça. Bénédiction. Pour dire, quand je l'ai trouvé à Fogne, tout Fogne est bien. Baraka est tout à toqué là, coulé. De ce fait, tu es un artiste, tu es un habitant pour Radio Phoenix. Il est sans dire à Capo, par sa autorité. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as quoi pour Pori? Je vais me faire un peu de route qui bouge. Je vais me faire un peu de route qui bouge. Je vais me faire un peu de Chumani, Infrapa. DJ Trem, mais non, ça vient donc Arsenic Suprême, Amenofis, Bali Bote, Bakayumba, Wissele, Léji, Banarushi. Donc, on a des artistes, Bali Bakatonak, Tomberson, Oxygène, Bali Bote, Manasabatakouya, Manseba, l'artiste comédien sera là, Marco Mbayabou, Nzembe la Majuris, Munguruma. Donc, rencontre qui est chaque artiste connaît, je pense. Donc, Bali Bakomédien Bote, ils seront là. Après, je vais vous dire que 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 je vais déjà agité, que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais organiser une manifestation comme ce que je viens à tuer. Un artiste qui organise une manifestation. Mais qu'on a quoi, garçon, voyou, maintenant tout pasteur, fille Mangoua. Bien, on va en parler tout à l'heure. Chez moi, ça ne peut pas se passer. Bon, balé, venez, balé, balé, tous à ma pied, ce sont des responsables. Les gouverneurs seront là. Les ministres seront là. Bah, honorable député, Batakouyako. Bah, tout va mis, Batakouyako. Ma chaîne, il y a ma télévision, ma radio, on a donné les invitations. Ils seront là. Mais, oh, tout que tout n'a pas pomba, ou à chou, à kiri, ou quoi n'a pas beaucoup. Mais là, ça. On va aborder cette question de sécurité. On va aborder cette question de sécurité tout à l'heure. Bon, s'il y a des interventions, on peut prendre tout à l'heure. Mais l'honorable, la situation devient très inquiétante, il faut le dire. Récrudescence, il y a bah, les enfants de la rue. Tu on a un moment donné, tu as un beaucoup à Koutembe. On a tout bah, traumatisé tout. Monsieur l'abbé Obigné, s'il vous plaît. Mon frère. Je suis tout à Mecho. Vous savez qu'il y a une maman qui est venue chez moi il y a 3 semaines, je me réserve de citer son nom. Vumbi Mangou Mujima. Alors, sa papa Vital, on a eu Miakaya. Mince, c'est ma chita Rudi à Mangou Mouvelle, on a quoi pour Bana nyangusha chini kwa bale batoto, bana mwangusha hivi, mama nangukia pa mikono. Patinela, bale bapeti bananjo pika umu na maibwe. Mama nachoka, jo bana mbloke sasa mikulu, mama naferezma, ndikuwa nguvu sana, bobe kwa batoto kilogo. Me papa Vital mende kuni pika makofi umu makuisi mote, pale bariona sasa bantu miko na kwa njo batoto wana kimbi.
papa vital ou saidi eko jele mina bia bantu bote unaona patinelli ya bele mwanje kupita mimi ndienda ko shikite police je suis allé avec 25 karateka parce que trop c'est trop quand on est arrivé là bas tu ne vas pas t'aller à petit ma 22 na bisu je vous dis si tu connais ma bateau ya baseball tu le crois tu vas conseiller bien petit mon atoche à bisu alors tu ne vas conseiller bien bale wa petit bote na bale wa karateka tulikuwa nao tunamwambia ina bien je tuko ba kubwenu tusubira na bien hapa bantu mwenyewe kupita hapa na hapo au pata discipline kama c'est important parce que les baseball les mambo ni ah je tu ni faso tu akubwa mwesha na mtu tuko anataka kumpika na mucha mwambia wewe takupika hii mucho nani kumuongopesha sur le plan légal honorable ça c'est une action personnelle hein de vous même parce que mashkia il est ça fait très mal mais le gouvernement en tant qu'élu du peuple au mumuru bumba. Est-ce que mon nom habite dans Pitikana? Na qu'est-ce que vous faites finalement? Vous savez, des fois, on a général Maëlle, mais comme on a insécurité, la persister, c'est que ni balle mais qu'on s'en sait que j'ai insécurité la mauvaise quoi. Parce qu'aujourd'hui parmi les policiers il y a les moutons noirs. Où balle bas policier bas baba et bas quoi quoi. Na balle bas bien balle tout on a été abusico. Comment on est baïta? Je vous ai dit que je suis un forum qui a créé le Bumbashi Alert. C'est que je suis un attaqué mon quartier. Je suis un message qui a été écrit sur WhatsApp 084 22 22. Donc 10 minutes, 15 minutes, beko pas de peine. C'est pour cela que je ne dors pas chaque nuit. Je dois que ça aide à la population. Je vais vous montrer comment nous on travaille la nuit. C'est que l'insécurité qui est en gouffre sana. Ce qui me fait du mal, c'est quoi? Pas policier, gouverneur, ne va pas magique. Mais quand je vais baïta, ils prennent 2 heures. Je vais vous faire ça, tu as besoin de toi pour les casser. Moi, quand je pars à les casser, je fais 50 minutes. Mais à pas comme je vais vous montrer. Oh, chaque commune, il y a ma GPI. Je vous montre. Mais tout ce que tu me proposes, tu ba retirer ma GPO de la police. Banje kufanya patrouille ba mikulu. Kisha ba changer ba commandant bote ba makomine. Kama ni kwa permiter ma province iki ne bende. Kama commandant ni fanya 15 ans mukomine mo. Ngarole mu vivi ba baba kwa sasa. Sasa ni mera commandant una mu telefone kunjani. Hata mimi mtu mwa gambe ga. Ndio shona ke unakuwa intimité mo ya hivi na ule commandant. On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. On vous appelle comment, Matuta Fashkan? Allez-y. Est-ce qu'on nous a changé retour position, Yanani? Il y a écran, Yako, Yanani. Voilà. Et plus stabilisé, hein? Tu connais au combien, s'il te plaît? Oui. Là, c'est bon. Et les lumières, comme quand on le contre-jour pour télévision? Ok, ça va. Voilà. Voilà. À ce niveau, on peut bien te voir. Réagissez maintenant. On vous appelle comment? C'est depuis quel coin que vous nous appelez comme ça sur les antennes de Manéka Télévision? Oui. C'est Marcel Kadima, depuis la commune annexe du côté péage Kisan. Monsieur Marcel, qu'est-ce qui attire un homme chez une femme pour les pousser à l'épouser? Oui. Premièrement, c'est la masse. Deuxièmement, la taille, et puis l'habillement et le comportement aussi. C'est tout ce qui vous plaît? Oui, c'est tout ce qui me plaît, même la démarche aussi, ça marche du même genre. Ah, ok. Alors, vous avez une question à adresser à l'honorable Vital? Oui, oui, je voulais un peu demander à l'honorable Vital. Depuis qu'il est à l'Assemblée provinciale, quel édit qu'il a déjà soulevé? Quel? Pour l'intérêt de la population. Vous dites quoi? On ne vous entend pas bien? Ah, maintenant vous comprenez. Nikin Toukani Moucho soulevé pour l'intérêt de la population en tant qu'Assemblée provinciale de Kumbo. Assemblée provinciale dernièrement, allez pourquoi ministre? Bene mon domaine il y a insécurité. Ibi mina tokia kusema. J'ai vu des ministres bien comité bele ba policier. Bengine kisha
kufanya je kuretire mbele majipi yote wende kufanya patru la mikulu kipande ndisulevaka mambo ya mari leta afixe anasema mari haitatambuka par exemple $2,000 parce que ce n'est pas possible aujourd'hui quand on vient doter pana kwa kukoya mtoto lombe mari $5,000 $3,500, $4,000, c'est beaucoup d'argent. Ça, ça me coche ni comme baba ou ni triplé. C'est quand t'as l'état, coach y'a baba na bilato, coach y'a baba na bilato, batou à l'idiot. Léo et Zamani, batou à l'anja Koulomba mouchoir de tête, bananja Koulomba cabello, il plante y'a $200. Batou à l'anja Koulomba kabouba chabunduki, bananja Koulomba moto. Tu vois, bitou ben exagéré, bitou l'omba canon, on va revoir l'état à tout voter. Dis-moi, Aïvi, m'joue à mambo ya mari. Où vous en êtes exactement? Non, non, on est que c'est en cours, ça va aller. Okay. Et aussi la protection des œuvres. Non, non, Marie, est-ce quoi? Tu m'as dit, c'est symbolique, ni symbole. Ah, mon Marie, a que des super wax, bambouji 4. Oh non, excusez-moi, on va prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô. On vous appelle comment? Vous nous appelez depuis quel coin comme ça? Est-ce que vous pouvez bien rester immobile? Oui, allô, on vous écoute bien. Oui. Oui, Dina, je Nina, m'appelle Samuel, hein, je vous appelle depuis... Alors, on a s'est par rapport à ce sujet, toi, Léo. Qu'est-ce qui vous attire comme un amour que l'autre épousé? Ah, bon, il est la fois qui essaie premièrement, il aspect physique. Ça, c'est normal. Et maintenant, qu'est-ce qui pourrait déclencher... Ça, c'est Nini, il t'a poussé ou déclenché ça, ça pour m'épouser. Pardon, pardon. Là, c'est pas ça, ni l'élément qualité que ça veut dire pour que m'épouser. L'élément, c'est-à-dire qu'il est ça, non, mon comportement. Comportement. Oui, quand même, il m'a approché, non, on a quel comportement, ça va. Je suis décidé à m'épouser. Ah, ok. Alors, question. Une question à l'honorable Vital, sous un fatapa, on a commémoré 21. La carrière professionnelle. Bon, honorable Ben, un petit ami qu'on a au cas que ça va. Ah, on a dit tout sauf que madame on a peine à créer la fenêtre à Yamaombi. Ah, il y a un bois qui a un bois à Yamaombi. Bon, tu as un fraîche à ça. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cet appel. En tout cas. Bon, okay. En tout cas, vous êtes très aimé. Hein? Merci beaucoup. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et j'ai fourni beaucoup d'efforts. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne suis honorable Vital. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je changé. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Dans la vie de tous les jours, nous apprenons. C'est très important. Merci beaucoup. À la lomba, la prière. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas. Sasa kama tunataka kulala mkambu wangu ni wa mkatoliki, ilipasha tuanje kuomba. Mulangu wa mkambu wangu, huku chini, barikoka basha kuikule kwa miswaso. Mnaya miswaso. Tule tubilulu tunakulia kambao wa mfranzo la pesa lezilofage. Lezilofage. Tumabilulu tumoto tunakulia kambao wa mbongo yunga atoka. Oui. Cedric dans un oshikia. Lezilofage. Sasa, mulangu wa mkambu wangu, barikoka basha kuikule ya vili. Ilipasha kuenda kako tunia. Asa kama unengie vya sama anje kuomba. Afa mulangu wa mkambu wangu, unanje tu anje. Tamba kwa chini sunsu, tuomba Mungu, kambangu jina kekwa ni mbu yote. Tuomba Mungu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ei nsunzu, mine shikia mpepo ni nyoku chini ya mlango wa kutukuma dilata. Mpo shula wa kula tenye, kwenda sukuma dilata, unakata maombi, unendo na sukuma dilata, unika kulibu. Unarudia tena kwa maombi, tuomba. Baba yetu aliambi mwenye njina lako, unachaba mpanya panapita kwenye nsunzu, nyangula ile mwake na bachia weka mtuku. Kwa kambangu wa kwa kika bachikuwa ni kintuku, shunona. Unaweva mboka, uneka mtuku, uneka poribu. Njiwa mpanya pa kwa nkamu. Ata mboka kwa yule ya mtuku. Batafukula, batafungula mfiniko, wanaikulia na ile mboka yote.
kwa nkambo kulikuwa bampanya moyo kona mposa libo anaenda kukaba chanjo kwa sika na ku regreter sana shukuru asa shuneka vile mwanja sana mwanje komba tuomba na kuzenda na kwa mke amalia imejaliwa nsunzu mama yako alisema tenda kuzungumza kwa chesho apana kusana mwanjibu Sala msajiki na msajiki mwenyezi mumba ulisha kwenye chikopi yako cha mikoi Shanza mali atukwagi na mapo ilikuwa nipaka bima vikopa ili yaba nido ya binena Jo bide tunanja kwa kaka injo na kutoka injo nendo nivaiti de kikopo Jo tena mi vakans kame nanja Bantu mwavni yeto baka njo tosha vikopo injo Jo minte vive mnendo fana vio mangoma Tulipaka kinkopo jimoja kwa mzungu mkubwa Seke, uku napika ngome maulisha ni kufwa Shunani kili kinkopo vasha kilicha kuivya na miko Unano leo unu nafotu mangara tu garso kubie kwa babake na mamake Anacha maso masanjo wa mpake arjandri poche Ina sabantu wa unacheza na maisha Wee, minu unatoka mubelero mwule lwa mikulu Minu njua kuenda kukampisa, ina siku unana transport Unapita pa sintier, wole unenda mkartie industriel Unanyoluka, unakua unatokela, unatambuka, unatokela guest house inilu Unapita mpleni chombe, njua unatambuka wende kule kuletri Kama unakua karibu na kufika kumasomu, njua unatosa sita kingwa kia mai Unapose milatu Bila tu vinyewe ya mamu ni mkulu motu mabocha motu sa kuangali yeno Sasa kukutalon, usha kukwekisha kakiuma kama kwa babamu mwari kwa pale pale Kadoro, asha kukwekisha njuu talo ya chisembi Kama unengia mmojito njuu nilea tak, tak, tak Wana yesu wafu wafu Jele batu wengine balikalaka baka sana Mi, vitara chetu kumusutuka Ila sara kwa mwini lugu, tangara tu vila Wako nama kwa pase, shuko mpreza Mpreza Kwa kuchigia mtu kila na kuu ya Kwa kwa masuma Unaona, mii ni kusa or Unaona or ito na walaka mwishi Kwa sikeche kwa tema shine Unaona or Chimonone viko na ngali Bantu viko na nipake viko or iko na ngali Or njui fike mkwa ngali Bani nda kuichimbula Mkuichimbula mune mutetosha mmuchanga Muna bebele mchanga muneka mmifuko Mifuko munatoka na kule chini munakuwa na ngambo hii munapanda bilima munakuwa na ngambo ya mai munaanza kutafuta mule batapata ni tu or to loko njoo ya ngali na pashe na pita mumoto ya nguvu moto ya nguvu ni mateso huku na kompana pale utaangala je video munaniua paske mimi bwana c'est très important kara pantu tunafanya hivi munaki production yangu ya kwanza ilikuwa kuchitumaini mara kwanza kufanya piece ya teatro nikafanya kuchitumaini mtu wa kwanza la nipaka sonorization yake tu kunaenda naye alicha kunitwika baffle pa kichwa ni challenge Nous avons la petite photo okay. avec Charles okay. Njeka que vous voyez. Non, Charles Okonji Njeka, oui. Charles DT. Non, moi je suis presque un membre de la famille. Moi, en temps et autre, je suis un peu Charles Njeka à Londres, même. Kule nchukua bo, babache chukua chumuyo, babache chukua wamiza Ni bale babababu wa madisipline unawana pa kutoka na vespa ile yaki Bashani kuisafishi yeko na ngala He? Akua Defuwa kwa mwana Le petit frère la Charles, a un certain moment anjo mifundisha kitete la moyo Moyo ani sa mokona Nande na nyeko ki Voilà On va passer à Charles Okonji Njeka Ongeno ngeno eyama Ongeno ngeno fula Voilà J'espère bien, tete la beauté va y retrouver Bien de bonnes choses à Charles Okonji Njeka qui nous regarde depuis quelque part, voilà. Monsieur le DT. Bien de bonnes choses, monsieur le professeur. Donc, et comme beauté. Il y a monsieur Tchaloué, qui est votre chef. Le DG. Le DG. Adam Tchaloué. Je vais faire la blague qu'il a toujours aimée. Voilà. C'est, il y a un fou qui avait érigé des domiciles devant la cathédrale. Tu vois l'arbre qui était là. Il y avait un fou qui était monté là-bas. Il mangeait toujours là-bas. Il faisait tout là-bas. Le maire de l'ancien maire de la ville, Kasseba, avait envoyé la police pour chasser les fous. Il ne voulait pas descendre. La police a frappé les fous. Le monsieur ne voulait pas descendre. Et deux semaines après, l'abbé Pili Pili, quand il était ami là-bas, il était en train de célébrer la messe dehors. Il était en train de bénir tout le monde. À un certain moment, il regarde à l'arbre, il voit un fou. Il dit, bon, après tout, il est humain. Il a droit à la bénédiction. Il a fait juste ça. Mais le fou est descendu en courant.
On lui dit, mais on t'est tapé ici par la police. Tu ne voulais pas descendre. Mais aujourd'hui, on t'a béni et tu as jugé bon de descendre. Non, toi, tu n'as pas vu. Il m'a dit, descends. Si tu ne descends pas, je coupe l'arbre. Oh, c'est la bénédiction de l'Église catholique. Voilà, donc la bonne humeur. Bon, si on veut devenir un il faut toujours encourager les personnes qui font du bien. Hein? Ah ouais, en tout cas, s'il y a des personnes que nous ne pouvons pas nous en passer dans la société, ce sont les humoristes, les comédiens. En tout cas, ça vaut la peine. Au Katanga, il y a de très grands comédiens. Maseba. Voilà. Maseba, c'est un grand comédien. Je vous dis. Pourquoi on ne dit pas qu'on mélange les comédiens? Non, militaire ou bien je suis parmi les grands. Voilà. Mais je dois quand même vous montrer qu'en dehors, il y a des grands comédiens comme Maseba. Marco Mbayabu. Nzembe la Majuris. Mais les petits qui ont un talent complet mais négligent. Qui néglige son talent, c'est Caribiona. Caribiona, c'est un bon comédien. Caribiona, t'as coûté que ça, moi, tu en as comme Wish. Il a un talent complet, c'est un bon artiste. Mais vous vivez, vous éconnez comme un cage. On peut l'inviter quelque part. Anata, Gourita, Moutkara, Ida. Pourquoi, Vida? Mais dis quoi? Donc, Anapata, Bantoua, Moubegona, vous distraire, comme Bintoua, Mina, Biamana, par exemple. Vous invitez l'artiste quelque part, mon amour, Wisha. Sinon, il est jeune, succès, Koyango, vous. Mais il doit bien gérer son succès. Mais c'est un bon. Je le respecte beaucoup. Il y a aussi des jeunes talents. Il y a Kabongo Moana. C'est un bon comédien. Là, il faut l'encourager en tout cas. Oui, Kabongo Moana, c'est un bon comédien. Il y a les géants. Les géants. C'est petit, les tout petits. C'est un bon comédien. Il y a Biasasa. Il y a les présidents de tous les Mongols. Il y a des bons comédiens dans la ville. Il y a Chumvi. Kikromane. Kibomango. Kibomango sur Oui, Kibomango, c'est un très grand comédien. Kikromane aussi. Prompte guérison, j'ai appris qu'il est souffrant. Prompte guérison. Nous devons aimer les artistes comédiens. Moi, ce que je demande à tous ces jeunes comédiens, à Babananja, vous devez étudier. C'est un comédien, c'est. Ouais. La comédie, c'est une carrière intellectuelle. La comédie, c'est une science. Science vient du latin scire, qui signifie savoir, recherche et connaissance. Et la science doit définir son objet, son objectif et sa méthode. Pourquoi pas son expérience. De ces faits, c'est pas où tu dérives. Un comédien doit avoir une connaissance humaniste. Je tourne ce que tu as une géographie à partir de poser ma question. Et comme histoire. Tu dois comprendre. Pour ça, moi, je n'entends pas ma réponse. Oui. On sent que non. Je suis un comédien. Mon total, c'est comme géographie. C'est quoi la géographie? La géographie, c'est une science qui étudie la description. Bon, on aura. Je voudrais bien qu'on revienne un peu par rapport à la situation sécuritaire. Moi, ça, on a proposé, changer, militaire, tout. Policier, tout. Avant tout. Qu'est-ce que vous proposez de manière pragmatique? Bamité, ma province, ma province indienne. Si y a bateau, je vais bamité, mais ma province indienne. Quand ma bamité, ma province indienne, va changer, va commandant mon Kenya, va monter mes mourouaches. Ou à mourouaches, va monter comme Katuba. Ou bien, va les bateaux, ma takulikasi, va kukakanda, va les balétao. Il est permutation, il était tout ça, il dit à ça. Qui chame, qui la commune, va changer, va chef de quartier. Na chef de quartier, ah oui, je crois que chef de quartier, mon Katouba, mais on est là, mon Kenya. Vraiment. Ça n'a pas de sens. Qui ça, l'État a foigné Dieu? Qui est la bourgmestre, je crois que la commune yaki. Choukounon, bourgmestre, oh, t'es que la commune yaki. Choukounon. Mais on est chef de quartier, mais on a contribué à mon biba et bien mine. Là, on est chef de quartier, quand je l'ai dit, je suis chef de balabala. Il est ma venue, bana condé, je suis bana servitude de l'État. La servitude, il y a l'État. Il faut que plateau 3. Ou chef de quartier, mon cafou, puis bien le quartier, ça kakiriku. Quand le chef de quartier, quand on ujisha ma coin yote ma espace na pale snel a repasa kwa kiapo ma cabine ana ujisha yote shuku non patoshe wale ba chef de quartier wale ba mwifi kuko wale na mwifi na fois kaje a bien be kwako na insécurité ni mambo ni tongara shiku na shi bantu tu kwa la base kuko na mtu kwako atokake muyua paka mangaribi tu anatoka ma anatoka bushiku ba narudia anakuleta biko mbara kupa $500 na ipata api ni mwifi Martin Luther King asema ka mtu mzuri na anekala kimya pa mambo ya mubaya na yeye mubaya kushindia hata na ule mubaya. Unaona mwivi denonce kikuinyum. Sasa ile kuna fragilize bantu ni c'est notre justice. On arrête un bandit de grand chemin, on la chemine. Demain le lendemain, deux semaines après il est dehors, c'est une liberté provisoire. Comment on peut donner une liberté provisoire à quelqu'un qui avait une arme, quelqu'un qui a violé, qui a tué, vous donnez cet homme. Donc question les populations est posée ça. Donc les responsabilités sont partagées, voilà. Nous allons établir des responsabilités. Non, on se bat, dénonçons, soyons soudés dans nos quartiers, très dénonçons ces bandits. Pourquoi n'arrêtons-nous? C'est ça.
Trois accouches à émission et tout, je ne sais pas, non, Micha, quand tu as posé une question, moi, peut-être il y a Moucho, et puis par après, tout a clôturé. Non, Micha, quoi? Oui, j'allais poser une question à l'honorable, parce que mon ancien membre m'a mis au tocaille à la police. Vu les gens qui ont peut-être mis chez Dieu, souvent, on a parlé de qu'est-ce qui se passe concernant l'insécurité. Ça, Dieu a une réponse, et après, Dieu a une réponse, et après, Dieu a une réponse, toujours en retard. Ils sont aussi en complicité, dans la police, dans la langue, ou bien. Il y a toujours les moutons noirs parmi les policiers. Général Maïla, c'est moi. Je ne sais pas si je suis en sécurité. Ils doivent avoir des moyens. Je ne sais pas. Les policiers, le gouverneur les encourage. Il y a beaucoup de moyens qui sont engagés. Quand on regarde au ministère de l'Intérieur, budget, en tout cas, quand on joue à la police, vous allez vous étonner. Mais quand l'insécurité persiste, ça fait très mal. Une commission en sécurité. Pachago numéro bas de botteur en fata. Comme ça, voilà. En cas de danger, bana 8 à 1 là-bas. Mungye jom forum, bebe numéro yangu WhatsApp. Kama kuna numéro WhatsApp, kuna nitumia ile. Mimi nakuweka mu forum. Sike bushi kwa ta mimi nisa kularo na pima telefone yungu kufirumi. Mwesho kumu forum. Unasema niku fashu kumu forum. Bashe kube kwa mguvernere kumu forum. Shukunu. Numéro yangu ni 085-644-2222. 085-644-2222. Qu'est-ce que mon Afrique pour ferme, on a coupé mon maïs à sucré. Mais Biakouri a bien quoi qu'on y paye 10 000 francs et 13 000 francs Biakouri. On a coupé pourquoi quoi mon aîné salade 13 000 francs congolais. À toute fois des événements, on a organisé pique-nique. Biakouri a $30. Non, c'est beaucoup. Je te mets qu'à 13 000 francs. Non, bus, finalement, on va partir à 7h, 8h. 9h, on a tout caché voté dans ma bus. Merci à mon parrain Patrick Moulika Poula pour la diplôme ma bus. Au recteur de l'université de Lubumbashi, parce que l'émission à Radio Félix, okay. Il m'a donné deux bus. Monsieur Jean Kambale m'a donné un bus. Le président de l'Assemblée provinciale vient de me donner un bus. Donc, transport, il faut assurer. Musique, il faut qu'on a maison méga. Il t'a cru à quoi Nini, casse production sera là. Donc, il t'a quoi ni artiste à ma beauté. Il t'a presté, il t'a imba, il t'a boxer, il t'a combattre. Pour vous encourager, pour vous rendre hommage. Voilà. Et en dehors de ça, il faut qu'on ait un truc qu'on va donner aux gens gratuitement. Tu as posé des questions, tu as dit, de l'occupage d'Afrique, quoi, en quelle année. Donc, tu auras ma cadeau, hein. Bon, tout on va donner, ma Santa Lucia, ma magie va se parler, on donne. Je pense que le message. Mais ma billet, je n'ai pas qu'un job qui l'a occupé. C'est mieux d'acheter les billets parce que sur place. Ça peut être compliqué de voir tout ça va bien sur place. Voilà. Alors, merci à vous, honorable, d'être passé sur les antennes de Malaise Gatier Division. Voilà, catch, training, polo, na casquette. Voilà tout polo et ako training, casquette. Parce que tout à l'heure, on a tout polo. Voilà. On va encourager aussi Gift Madia, les DG, Shalom TV, qui aura aussi une marche demain. Donc, merci Lubumbashi. Une marche, en tout cas, bien de bonnes choses. Mon copain, vous m'accompagnez. Et puis par après, on est secondaire de telle autorité vitale. Je vais encore encourager encore davantage. En tout cas, on doit encourager aussi notre frère Gift Madia. Monsieur Marché, vous êtes déjà bon, il est parti. Bon, la partie déjà, elle est qui vous voulez. Mon motocard, on est dans un petit couche à 7 mètres, à 7 km, na nini na ferme, on joue, on a chouché à bas, on a mis, on a déjà fait un drone, il y a une fois, sonorisation. À mon frère Gif Mathieu, je viens d'apprendre que Gif Mathieu est en train d'organiser aussi. C'est demain, demain jour. Et félicitations, je demanderai aux autres aussi d'aller encourager notre frère. Voilà, on finit par là, vous allez répondre à la question, qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous a attiré, évidemment? Je me posais
On finit déjà par là, merci d'être passé. Voilà. À tout à l'heure, monsieur. Merci, merci à Naomi Chako d'être passé. En tout cas, merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis les débuts. Je pense que vous avez passé un très bon week-end avant samedi, en train de la Tchikasana en compagnie de Vital Suzu. Ah, on aura Bataïche. Il y a d'affaires tout qui vont qui amouche les chats. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour le compte de cette émission, l'émission show du week-end, une émission qui vous détend, une émission qui vous met très à l'aise, comme c'était blagué musique alors. Hein. Voilà. Voilà, donc merci à toute la grande écularie Capoite, merci au professeur Damien Kabongo, merci à François Kambo, merci à Parfait Angelo, merci infiniment à Moïse Kabondé, merci aussi à Cédric Banza, Fidel Kakonka, merci à nos directeurs évidemment, je parle de Madame Rebecca Faïlantumba, merci également des programmes. Lui, c'est Mike Chedin Tamboué, au DG de Malaika Télévision, Adam Tchaloué, ainsi qu'à son DGA. On l'appelle Landry Miji Mukaza. On se quitte par ici, chers téléspectateurs. On va se retrouver très prochainement. Merci encore et toujours à quelqu'un de très bien qui nous accompagne habituellement. Exactement. Et lui, c'est évidemment... Café Moula. Voilà. Voilà. C'est quoi, bon, bien là, déjà, son invitation. C'est l'ami de Moutaïcha. Moutaïcha, comme est-ce Nikalo Koto. Évitez de parler au téléphone quand vous allez vous soulager. C'est très mauvais parce que tu risques d'oublier au lieu de faire les nécessaires, tu commences à faire ça. Bon, là, on s'en fait. Merci. Bye bye. Allez.